Vétérinaire du zoo, et donc où j'ai rendez-vous avec le docteur Azizi. Je ne sais pas encore pour quel type de soins ou d'opérations. Donc on va rentrer tous ensemble. Alors, ah, c'est un petit magot ? Exactement, une femelle. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il a eu des plaies traumatiques suite à des bagarres avec des congénères au niveau de son groupe. Uh-huh. Et alors, qu'est-ce que vous lui faites, là ? Il y a une petite plaie. On va faire des points de suture. Il y a une autre plaie plus ancienne qu'on va soigner. Là, j'imagine qu'elle est endormie ? C'est juste une tranquillisation pour... la maintenir un peu tranquille. Exactement, ouais. Et pour travailler de façon plus aisée. Et alors, il n'y a pas de risque que, par exemple, elle s'enlève toute seule les fils ou... Si, avec les magots, c'est des animaux qui sont très actifs et très curieux. Quand elle va se réveiller, la première chose, c'est qu'elle va essayer de les arracher. De toute façon, c'est un travail de routine. Donc c'est ici que vous exercez principalement Cela dépend des animaux. Il y a des animaux qu'on ne peut pas transporter, de grands animaux. Uh-huh. Et selon les actes, il y a des actes qui demandent beaucoup d'asepsie et d'autres qui demandent moins. Généralement, on a une salle d'opération qui est juste à côté. D'accord. Pour les petits animaux. Uh-huh. On dispose d'un matériel important d'anesthésie gazeuse, d'anesthésie chimique. On a des équipements pour l'imagerie, on a un appareil radio, une échographe. Ah d'accord, donc c'est dernier cri quoi. Oui, exactement. On a un endoscope. Il est bien entouré en tout cas. Hein. Exactement. De la caresse. Ce sont des soigneurs qui travaillent à proximité des primates. Vous avez Amine, c'est lui qui l'a baptisé. Alors, c'est quoi son petit nom ? C'est Shakira. Shakira. Parce qu'elle danse aussi bien qu'elle. Mais écoutez, moi, je vais vous laisser terminer. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye bye, ma belle. Bon courage. À tout à l'heure.